Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Dead Rising 4. C'était écrit en gros sur votre écran, nous en sommes à l'épisode numéro 11, j'espère que vous suivez jusqu'ici, Affaire 5, l'homme de l'année. Bon bah les gars, l'homme de l'année, pas de secret entre nous, c'est moi, ça ne peut être que moi, et ça peut être aussi vous, de toute façon vous. Plus moi, ça fait un. Hein. De toute façon, ça fait qu'un. Voilà, que tu sois un homme ou une femme, tu seras l'homme de l'année dans mon cœur. Mais vu que toi, tu es moi, je suis aussi l'homme de l'année. Nous sommes tous l'homme de l'année et ça, c'est beau. Je vous souhaite bien évidemment une bonne année 2017. Que ce soit un meilleur cru que l'année 2016 qui était pas terrible pour tous, hein, j'en ai bien l'impression. Si bien évidemment l'année 2016 a été terrible pour toi, bah, j'espère que ça va continuer sur cette lancée et que ce sera encore meilleur pour toi. Mais en attendant, tous ceux qui comme moi ont une année un petit peu cassouléisée, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu aimes en manger, mais par contre, il y a toujours des représailles. Tu manges le cassoulet, là n'est pas le problème, hein. Tu déforailles la conserve, mais après, bon, bah, il y a des représailles, hein. Tu finis par repeindre les chiottes, tu vois flou, t'écartes les murs avec tes mains, tu sais plus où t'habites. Bref, c'est terrible, les amis, c'est terrible. Bref, nouvelle année, et qui dit nouvelle année dit Resident Evil 7, bientôt, plus que quelques jours, j'espère que comme moi vous tenez bon les potes. C'est difficile, c'est très difficile d'attendre ce jeu, cette pépite. Je suis en sueur tous les matins quand je me lève en me disant est-ce que nous sommes le 22 parce que je crois qu'il sort le 22 et s'il ne sort pas le 22, c'est pas grave. Le 22 je dirais est-ce que nous sommes le 23 jusqu'à ce qu'il sorte. En tout cas, cette année présage que du bon, je l'espère pour vous comme pour moi. Donc, souvenez-vous où on en était. Il y avait non seulement un survivant à sauver, mais lui on avait dit les gars, lui, chacun sa merde, les gars. 2017, j'aimerais que ça soit cool pour moi pour commencer. Lui, j'essaierai de le sauver un petit peu plus tard. On doit trouver le panneau parce qu'on doit rentrer dans cet abri qui a été totalement envahi par on ne sait quoi. Donc c'est parti, on va trouver le panneau. Alors, par où passer? Je crois que c'est par ici. Attendez, non, c'est pas par ici. Attendez, je crois que c'est par ici. On va y arriver. Ok, et là, regardez. Pas du tout, pas du tout. Et en plus, ça fait des dégâts, ça c'est chiant. Ça c'est relativement chiant, peut-être par là, non? Je sais pas du tout, je me souviens plus. C'est terrible. Pour cela, hop, je vais utiliser un soin, ce qui n'a rien à voir. Hop, trousse médicale, ça c'est fait. Par où passer? Mais c'est toujours... Non, c'est toujours derrière. Attendez, c'est toujours derrière. C'est incroyable. Quel est ce complot reptilien? Attendez les mecs, faut partir. Au bout d'un moment, vous êtes chiant. Ok, je vois pas du tout. Trouvez le panneau. Le panneau, je... Ah d'accord. C'est d'accord, ok, pourquoi pas, écoutez, je prends, ça régale, il est là-haut le panneau. Mais alors, pour trouver le panneau, faut-il déjà rentrer, n'est-ce pas? Et pour rentrer, il faut trouver l'entrée, n'est-ce pas? Ok, rendre l'appareil, on va rendre l'appareil, donc l'appareil, c'est l'appareil, on va dire l'appareil eux-mêmes, hein, vous l'aurez compris. Ah très bien, fallait juste ouvrir, ok, super, on est bien, on avance les gars, un petit à petit. Attendez les gars, c'est 2017, faut y aller mollo, hein, faut y aller mollo, si je donne tout ce que j'ai dès le début, on n'est pas bien les gars, hein. Ok, on a trouvé comment rentrer, forcer le verrouillage, eh, forçons un peu, on sait début d'année 2017, mais forçons pas trop quand même. Réinitialisé, Franck, entrez vite, ou les zombies atteindront Hammond avant vous. Oh merde, j'avais pas pensé à ça. Ok, entrée dans l'abri d'urgence. Alors, il y a deux entrées. Éliminer tous les zombies. Ah non, tous les ennemis. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, je ne sais pas faire la différence entre les zombies et les ennemis. Voilà, ils sont... Quelqu'un a quelque chose d'autre à rajouter? Connard! Aucune idée, mais je m'en occupe. Wow! J'ai cru que c'était un vrai. C'est terrible. Courons! Attends, faut partir, monsieur. On peut pas fermer, on peut pas fermer. On se cassos, les mecs. Ok, porte fermée 0 sur 3. Ah, ça, c'est chiant. Donc, faut que je fasse quoi? Faut que je les ouvre. Je viens de me faire mal. Je viens de me faire mal, c'est terrible. Poussez-vous, s'il vous plaît, messieurs. Je viens de me faire mal, ok. Faut que je ferme les portes. Fermons les portes, les gars. Ah oui, d'accord. C'est des mécanismes incroyables. Ok. Ah, faut partir. Monsieur, faut arrêter de gêner, c'est chiant. D'accord, oui, effectivement. On va fermer toutes les portes. Ok, et il en reste un en bas. Alors, je connais bien ici. J'avais fait mon BEP. J'avais fait mon BEP dans ces locaux. Ok, c'est par ici. Hop, faut partir. Voilà. Petit saut parce qu'on est toujours dans le style. Ah oui, il y a des zombies qui viennent par là. Hop, voilà. T'as pas pu rejoindre ton pote. Dommage. Ah, lâche-moi. Madame. Pas comme ça. Ah, je sais bien que c'est une nouvelle année pour tous. Mais enfin, dès que vous êtes bourré, vous avez tendance à être un petit peu relou. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est terrible. Ok. C'est bon.
Voilà, à tout moment, je peux changer de casque, c'est incroyable. Ok, et maintenant, faut faire quoi? Faut tous les tuer, je suppose. Éliminer tous les ennemis. Alors, on va les éliminer calmement. Par contre, j'ai subi pas mal de damage. Je dois atteindre un monde. Allez, les gars, nouvelle année, on transforme tout ça en cadeau. Ah, mais ça passe pas à travers, c'est chiant. Par contre, ça devient de vrai... Ah, les gars... Voilà, ça dégage. Par contre, ce que j'allais vous dire... Ah. C'est que ça devient de vrais objets. Et forcément, eh ben, ça bouche. Ça bouche un peu partout. Oh, bonjour. C'est bon? Petit pain d'épices comme ça, là, froid, ça fait plaisir. Ok, on a une masse, on peut faire quelque chose. Hop, on peut partir, monsieur. Tenez bon, je suis plus très loin. Ok, on a une bouteille d'eau, c'est pas mal. Hop. Voilà, on prend la bouteille d'eau, qu'est-ce qu'on a là? C'est bon? Ah non, encore? Non, monsieur, madame. Ok, ça y est. Quoi? Un refuge, tu parles? C'est un vrai piège à rats! J'en pleurerai de soulagement, mais j'ai peur de me pisser dessus! Oh bon sang, j'espère qu'Amande va bien! Comment ça? Elle est pas ici? Les gars de Tom les ont emmenés, elle est de Jordan! On a tenté de la récupérer, mais ses ploucs ont activé le verrouillage! Tom la garde sûrement à la ferme! Je vais aller voir, laissez votre radio allumée. Je vous préviens s'il y a du nouveau. Merci! Content que vous fassiez partie des gentils! Ok les potes, direction la ferme de Tom. Alors là, on a pas mal de trucs sympas. On a des fusils d'assaut. On a un sabre laser pour enfants. Merci d'avoir sauvé les miches de mon copain pathétique. On est toujours... Tais-toi, c'était pour voir. Un petit revolver, c'est mieux, non? Un petit revolver à l'ancienne, c'est mieux. Ok, direction donc la ferme. Parce qu'il faut aller sauver Tom, le frérot Tom. Les gars, il est là. Tom, il est dans la panade. On y va. On y va, illico, presto, pesetos. Donc c'est parti. On va essayer de trouver un véhicule de type sympatoche. Voilà, c'est-à-dire un véhicule qui traîne pas la frimousse, comme on l'appelle dans le milieu. Parce que bon, je suis tout ce qui est tuning, c'est un peu mon domaine. Je peux prendre une nickel. Enquêter sur les rumeurs. Alors là, c'est... Alors là, ça peut être chiant, mais si c'est à côté, ça peut être très intéressant. Les rumeurs... Oh, d'accord. Donc, c'est juste après Tom. C'est juste après... Donc, il y a Tom et les rumeurs. Et il y a les rumeurs de Tom. Vous savez ce qu'on va faire? On va... Ils sont... C'est vrai qu'ils sont faciles à tuer, quand même, hein, les psychopathes. Et en plus, ils donnent pas mal d'XP, mais il y a aussi le village. On va faire Tom, et en sortant d'ici, on se casse. C'est sur moi que tu tires? J'ai très peur. Ah, d'accord, pardon. J'attendais que la porte s'ouvre. D'accord. Donc je suis en train de les éclater. Ah, d'accord, mais c'est des méchants. Vous êtes tous méchants. J'arrache tout. Hop, ça dégage. Bah, je m'arrache tous les mecs. Ok. Attends. Bah oui, avec une fourche. Allez, casse-toi. Ok, bougez pas, je vais drifter. Elle est où, bordel? Pas du tout, on ne peut pas drifter dans le jeu, c'est dommage. C'est, vous êtes chiant, vous êtes en train d'endommager mon véhicule. Voilà, et vous savez quoi? Allez, on va les transformer en pain d'épices. J'ai toujours adoré transformer des humains en pain d'épices. Hop, ça... Ah, ça, d'accord. Toi, pas... Non, ça ne transforme pas les humains. Sans doute que ça devait être beaucoup trop violent. Oh putain! Un Krark, messieurs! Jordan? Je me fais enculer. Je me fais enculer, c'est un plaisir. Ok, un Krark! Attends, faut partir. Ok, nickel. Allez, ça dégage. Là, c'est chiant. J'ai refait un Krark. Ça, ça fait plaisir. Une... contre quoi? Contre quoi? Attendez. Attendez. Oh. Ça, on va prendre. Il y a un fusil d'assaut. Je sais plus contre quoi j'ai changé mon Krark. Mais là, de toute évidence, j'ai tout le stuff que j'avais envie de posséder. Très bien. Oh putain, non. Attention, Jordan, baisse-toi. C'est rien. C'est bon. Je t'ai sauvé la vie, frérot. Non, tu es pas Jordan. Hop, ça dégage. Est-ce que ça va? Ouais. Voilà. Fais pas la con, Jordan. Aucune idée. Je pensais la trouver ici aussi. Non, ils nous ont séparés. Tom va la tuer, Frank. On va la trouver. Restez ici et fouillez le coin. Je vais inspecter le reste de la ferme. Ok. J'ai eu très chaud. Je m'étais pas rendu compte qu'en fait, elle était à côté. Elle était en train de se faire massacrer. Mais il est là, le plan. Mais c'est incroyable, bonbonne.
Je prends, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il faut papillote, surprise et des explosifs. D'accord, on a la papillote surprise, je peux le faire tout de suite. Alors attendez, bougez pas, on va le faire de ce pas, c'est un plaisir. Un bonbon. Qu'est-ce que c'est? Alors, je suis un génie. Je vois pas où est la blague. Les gars, si vous voyez où est la blague, n'hésitez pas. Ok, d'accord. Bon, on va continuer. On va prendre une petite bonbonne de propane sur soi. Toujours avoir une petite bonbonne de propane, pardon. Je sais pas parler. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Oh! Un râteau! Non! 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 Ah, ça, c'est chiant! Voilà, dégage. Ok. Journal, c'est fait. Rencontre manquée. Un sandwich, c'est fait. Ça, un café, c'est fait. Sandwich, café, on est armé, on est suréquipé, de la tête aux pieds. On peut y aller. Bon, il faut maintenant rechercher Hammond. Et c'est pas terminé. Et c'est pas fini. Il va aussi falloir, je suppose, non seulement le libérer, mais en plus vider toutes ses maisons. Tenez bon, Hammond. Il se fait violer. Je vais vous sauver. Merde, ça sonne mieux dans ma tête. Hop, ça dégage. Voilà, je t'ai dit, ça dégage. Ok, et la marchandise. Ah oui, d'accord, lui, il est en train de cuisiner. Ah, très, très bien, d'accord. Monsieur, faut sortir du placard. Là, oh, monsieur, vous n'êtes pas drôle. D'accord, eh ben écoute, je te laisse cuisiner au calme. Il y a pas de sous, comme on dit dans le milieu. Les gars, c'est super chiant les gants MMA, c'est vraiment la merde. Réellement, hyper dense. Je n'en rachèterai pas de ces gants-là. Voilà, les gars. Ah oui, d'accord, très bien. Donc l'autre, il est sorti de son placard, c'est un véritable plaisir. Les gars, vous savez quoi? Allez, ça dégage. Allez! Non, parce que là, c'est chiant. Là, ça commence à être vraiment chiant. Autant je vous aimais bien, autant on pouvait rigoler. Même toi, hein, je pouvais rigoler avec toi. Mais là, c'est chiant. Bon, par contre, si on doit tuer tous les ennemis et que lui reste là, ça va être très très chiant. Hein, vous voyez le genre de bug que j'aime subir à chaque fois. Je sais que c'est un réel plaisir. Trouvez Hammond. Frérot, vous êtes à 20 mètres. Quelle grande maison vous avez là. Hammond, vous êtes là? Allez, ça dégage. C'est cadeau, c'est moi qui rigole. C'est moi qui rigole et c'est moi qui régale d'ailleurs au passage. Dégage. Hammond ? Crève, charogne ! Ouais. Tu repasseras plus tard, tu me diras ce qu'il en est. Ok, on va ouvrir ceci. Ça vient de son placard. Ok, un masque. Ok, c'est. D'accord, on n'a toujours pas retrouvé Hammond, ça c'est chiant. Il y a des boules de billard. Ça peut être sympa ça pour faire une petite partie. Partie billard comme ça aromatisé. Il m'en reste plus qu'un. Bah, vous savez quoi? Hop, on se casse la gueule et puis on y va. On se casse la gueule. Hammond? 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 C'est très bizarre. D'accord, je ne sais pas. Quel est ce sortilège par étrange ici, la marchandise. Aucun d'entre nous. Allez, dégage. Dégage, là t'es chiant. Là t'es chiant, ok, on prend le petit snack parce que ça fait plaisir, ça régale. Alors Hammond, je t'aime bien Rouya, mais faut que tu me dises où tu es. Ça y est, toi t'es sorti du placard. Mais toi en fait t'es totalement fou. Ok, il est mort. En fait le mec était totalement cinglé. Un coup il rentre dans un placard, bon je me suis dit ça va, la blague est sympa, hein. C'est vrai qu'on me l'a pas fait, on me l'a pas fait en 2017 la petite blague du placard. Mais bon, au bout d'un moment faut sortir monsieur, parce que ça a plus du tout. Hammond, tu es où? Ok. Re tout le monde, nous sommes actuellement à 48 minutes de record et vous êtes en train de vous dire, Mr. B-Boy, la vidéo n'a pas duré 48 minutes. J'ai chargé ma dernière sauvegarde, j'ai redémarré le jeu, jusqu'à savoir qu'en fait, c'est dans le placard. Il faut mettre l'analyseur de spectre. Vous avez l'empreinte, la photographier. Et là, c'est bon, on peut ouvrir sa cachette qui était une porte dérobée. Pas d'amende d'en vue. Oh, un indice me mettra peut-être sur sa piste. Alors, est-ce que c'était un régal pour vous de m'avoir vu galérer? Je pense bien évidemment qu'on va couper hein, toutes les galères. Mais en tout cas, un réel putain de plaisir. On a la clé de la ferme. Par contre, ça, c'est pas mal. Donc, on va prendre en photo tout ce qu'il faut. Voilà. Kylie Hammond, condamnée à mort pour haute trahison. Putain de merde. Ok. C'est pas tout. Donc, un grand art, c'est tellement 1995. Tableau de luxe. Oh. Nickel. C'est donc à ça que ressemble la folie. Ok, un cliché de la mode apocalyptique. Un cliché.
cliché de la mode apocalyptique. Pour moi, la mode apocalyptique, je suis désolé, hein, c'est ce qu'il y a sur le mur plein de sang. Enfin bon, pourquoi pas, hein, au point où j'en suis, est-ce que ça pourrait pas être un cliché de la mode apocalyptique? Non? Non, je vois pas. Il y a forcément quelque chose à faire d'autre dans le bureau. Alors attendez, indice détecté. On va essayer de changer, peut-être l'analyseur de spectre, n'est-ce pas? Et sinon, c'est quoi? Pas un pigeon voyageur? D'accord, donc ça doit être un téléphone portable ou une connerie. Bougez pas. On a quelque chose toujours près du bureau. Oh, 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 oh. Pas ça? Non? Yes, c'est bien ça. Ok, le masque à gaz, forcément. J'ai déjà vu ça. C'est ce que portent ces pillards cinglés. D'accord, quoi? Pas un pigeon voyageur? Donc je suppose que ça doit être un téléphone mobile. Autre mode de vision requis. Ok, donc je suppose que c'est le mode indice détecté. Ah, mais c'était pas lui, non? C'était pas lui. Attendez. Donc c'est derrière. Ok, c'est encore derrière. C'est ça. Autre mode de vision requis. Alors attendez, bougez pas. Ça peut être que ça. Mais alors pourquoi il y a que le spectre? Ah d'accord, pour lire les lignes, très bien. Les gars masqués. Bon sang, ce fermier machiavélique. Brad, Tom va exécuter Amanda. Il l'a conduite à la cimenterie Kipax de North Peak. Vous seriez pas dans le coin? J'arriverai pas à temps, Franck. Je dois faire évacuer les civils par la ZTC, maintenant qu'on est débarrassé d'Obscuris. Merde, tout va dépendre de moi, alors. Vous m'en direz tant. Frank West, le héros que mérite Willamette. Ouais, un héros de merde pour la ville la plus merdique des États-Unis. Rendez-vous donc à la cimenterie. Alors, je sais pas ce qu'il a prévu pour lui, mais ça va pas être super. S'il est dans le ciment, le bordel, remarque, ça peut faire un petit remake de Star Wars. Hop ! J'aime bien me casser les jambes, hein, vous noterez, c'est toujours un plaisir pour moi. Eh, hey, c'est vous qui régalez, les gars, y'a pas de souci. Alors, souvenez-vous que j'avais une clé, et c'était la clé du garage. Pas là, mais oh, des pattes alphabet. C'est intéressant, ça. Téléchargement sur le cloud de Vic, c'est fait. Ok, un nouveau plan. C'est fait. J'ai vu le monstre. Ok. Il est réel. Et c'est... Ouais. Frank et Amond se sont introduits dans la base d'Obscuris et ont fait un sacré grabuge. Alors, j'ai profité du... Ah, très bien. C'est un plaisir. Allez, ça m'a saoulé. On se casse. Bon, on va essayer de récupérer... Tiens, un tracteur, ça me paraît pas mal. On va récupérer... Ah non, la voiture d'à côté, elle est encore mieux. Elle va aller beaucoup plus vite. On va récupérer la voiture et on va... Direction notre objectif, la cimenterie. On va passer par le psychopathe histoire de se défouler un peu, je le mérite. Frank n'aura pas besoin d'aide pour faire sensation dans les médias. Putain, vraiment ça. Hey Frank, on dit qu'un fou se cache dans un bâtiment dans le coin. Devrais peut-être aller vérifier. On a eu la même idée, mon jeune apôtre. Mais fais gaffe à tes fesses. Les fermes me font flipper. Ok, nickel. Évidemment, vu que... Oh putain, mais c'est terrible. Les gars, c'est l'épisode où on me chie dessus, littéralement. Hein. Pardonnez ces mots si durs, mais enfin bon, là, c'est pas facile. Qu'est-ce que c'est? Eh les gars, je vais rentrer là-dedans. Attention, hein. Je vous préviens comme personne va être prêt. Hein. Je vous préviens comme personne va être prêt. Yo! Ok. Putain, je rêve. On raconte que la mort hantait ces lieux. Un homme accusé des crimes les plus odieux. Son âme perdure, ainsi que sa soif de sang. Sa sombre présence marque la fin des temps. Waouh, c'est pas flippant du tout. Oh, Popchou. Allez. Qui t'a autorisé à organiser une fête? Ok. Les gars. Wow. Attends. C'est eux deux les boss là? C'est pas ma faute, c'est tes parents. C'est eux deux les boss là? Ok, c'est deux frères. Mais attends, je vois pas là.
Oh merde, non. Je vois pas du tout comment les tuer. Ils ont pas de barre de vie. Monsieur, je crois que ça peut pas tuer. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je peux pas tuer. C'est très bizarre. Ok, si c'est bon. J'ai rien dit. Par contre, attention comment ils sont solides les mecs. Hein. Attention comment ils sont solides les mecs. Hein. Combattez, combattez et mourrez. Et c'est pas fini. Quoi? Je gère. Je gère. Oh merde, non. Mais vous êtes fous, mais les gars, j'aurais jamais assez. Ok, les gars, surtout paniquez pas. Ok. Non. C'est. Mais c'est un truc de ouf. Ok. Un en moins, je crois. J'ai plus de balles, un plaisir. Ok. Ok. Attendez, bougez pas. Voici venir le roi épouvantail. Wouah. Oh merde. Ça tue pas. Ok, je peux rien faire avec. C'est terrible. C'est le pire échec de ma vie. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je ne peux pas le tuer! Mais vous êtes totalement cinglé, mais vous êtes fou! Pistolet à coups, je prends. C'est un truc. Comment je peux le tuer? Le feu, peut-être? Non. Je vois pas. Je vois pas du tout. Ok, d'accord. Et ça marche. Je comprends rien. Je comprends rien. Quoi? J'ai rien compris. Franck, je viens de comprendre. C'est le professeur de théâtre de l'école primaire. Oh oh. Désolé pour ça. D'accord, maniaque vaincu. Waouh, 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 waouh. Les gars, c'est terrible. Quand, comme moi, tout est terrible. Tout est terrible. Oh là là, et en plus je me fais violer, les gars, c'est un vrai régal. Mais c'était un truc d'ouf. Les mecs mouraient pas, ils tombaient pas, je me demandais ce qui se passait, quoi. Ok, bon, par contre, toi t'es chiant. Hop, oh, un petit peu d'acide, gros. Un petit peu d'acide, ça va te faire plaisir, ça va régaler. Ok. C'est terrible tout ce qui se passe. Je vais prendre un sandwich. Parce que là, j'ai besoin de manger un petit truc. J'ai besoin de m'aérer un petit peu, si vous voyez ce que je veux dire. On a de la viande, on a une tronçonneuse. Qu'est-ce que je peux faire avec la tronçonneuse? Je peux rien faire. Pour l'instant, je peux pas la comboter, donc elle sert à rien. Qu'est-ce que vous avez d'autre, les gars? C'est terrible. Il faut que j'arrive à retrouver de l'azote liquide, ça serait pas mal. Un peu d'azote. Oh, du thé. Attends, frère. Il y a un petit truc de thé, une petite dose de thé cachée. J'adore le thé. Alors, avant, faut savoir que je détestais le thé, les gars. Je détestais le thé. Et puis, d'un coup, je me suis dit, je me dois de boire du thé. Je ne sais pour quelle raison. J'ai été envoyé, j'ai été créé pour boire du thé. Et donc, je me suis forcé à boire du thé. Et depuis, j'aime, les gars, le thé. Voilà. N'ayons pas peur des mots, n'ayons pas peur des termes. Je vous le dis, les gars. Thé vert, thé menthe, rien ne m'échappe. Plus aucun thé ne peut me résister. J'aime le thé. Faut le dire, il y a des trucs comme ça, il faut l'avouer, les gars. Et c'est... Oh, attendez, je suis où? Et c'est toujours bon de libérer un petit peu ce qu'on a sur le cœur. Voilà, ça me tenait, les gars, depuis toutes ces années qu'on se connaît. Fallait que je vous le dise, j'ai un problème. Ah, d'accord, il y a un mec qui l'a réellement soulevé, cousin, la voiture de flic. Ok, bon, je sais pas combien j'ai de points. Je crois que j'en ai 3. Et vu qu'on avait dit... Ah, 4. Je fais du zèle, là. Je vais beaucoup trop fort, là. Faut que j'y aille doucement, parce que là, ça va pas du tout. On va se mettre nos 3 points, nos 4 points, pardon. Ça va tellement vite, la vie va vite, les amis. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça, non, c'est pas mal. Augmente nettement la résistance de tous les véhicules, je prends. Survie, résistance, c'est pas mal aussi. On va le prendre. Donc, augmente l'endurance de 25%. Qu'est-ce qu'on a en tir? On a des trucs sympas aussi, n'est-ce pas? Voilà, on va prendre ça. Et là aussi, on a des trucs cool.
Quand vous construisez des objets combo, on peut se faire de la thune. Et ça, c'est quoi? Augmente la vitesse de construction des objets combo. On fera ça lors du prochain point qu'on aura acquis durement à la suite de notre point. Ça me paraît pas mal, ça me paraît intéressant. Ok, on est parti les potes. Si vous entendez un petit écho, il faut savoir que j'ai changé mon installation. Voilà, donc ça veut dire tout et rien à la fois. La vidéo peut être parfaite du premier coup, et la vidéo peut concevoir, peut avoir un tout petit écho. Il faudra me pardonner, bien évidemment. C'est par ici. Ah, mais c'est par là. Hop, ça dégage. Yo, est-ce que Amon est là, s'il vous plaît? Hop. Ne sommes-nous pas humains? Hein? N'avons-nous pas tous sacrifié pour préserver les nôtres? Cet homme? On dirait que ça vient du toit. Nous donnons de notre personne pour que le groupe survive. Si quelqu'un refuse de faire ça, eh bien, il ne vaut pas mieux qu'un zombie. Aujourd'hui, nous examinons les méfaits de notre ancien. D'accord, c'était un plaisir. Qui voudrait me détruire par ambition. Ok, petit fail. Poussant sur les cendres. Nous avons bâti notre nouvelle communauté sur les ruines de. Mais qu'est-ce que tu me parles d'ascenseur, cousin? Mais oh, gros! Il bégaye là. Oh là là, mais c'est terrible. Mais attendez, mais je suis mort là, non? Comment je. Mais attendez, mais. Mais je suis cuit. Je suis cuit, les amis. Peut-être là-dedans, non? Il y a un mec qui se fait tirer dessus là. Il y a un mec qui se fait tirer dessus, Ok, point de sauvegarde. Oh merde! Qu'est-ce que c'est que Zigonnerie? Yo, ça c'est rien. Ils ont pas su, hein, bien évidemment. Bien évidemment, j'ai dit. Yo, frérot. Ah, ça c'est chiant. Faut mourir? Mourir? Est-ce que c'est dans tes cordes? Oui! Bien joué à toi! Bon, c'est par où, les gars? C'est par ici? Yo, frérot. Ah, mais ici, il y a des néo-zombies, d'accord. Donc, vous, les gars, vous laissez des. Quoi? Quoi? Mais c'est fou! Cet homme est fort! Hop, voilà! Je dessine une planche de bois, t'as rien vu. C'est toujours en construction. Je peux peut-être me frayer un chemin à travers. Ok. Ça fait peur tout ça. Ça fait très très peur. Donc je vais prendre un hamburger. Et puis on est reparti les gars. Oh waouh waouh waouh, je t'ai vu Snoop Doggy Dog. Ok, un petit Snoop Dogg en plus. Ça c'est cool. Bon, il faut que j'aille en face. Ça, c'est moins cool. Oh la vache. Donc je peux. Là tu me racontes ta vie gros, je comprenais pas. Je peux casser les planches, c'est bon ça. C'est bon à savoir. Tiens, un téléphone, non, c'est quoi? Oui, c'est un téléphone. Ceci est un téléphone. Oh. Oh. Oh, ça me plaît ça, ouais. Ah, dégage. Allez, raconte-moi quoi ta vie. Yo les gars, tiens, vous savez quoi, on va essayer de les amener eux là. Histoire de voir un petit peu ce que ça peut faire. Histoire de voir si ça leur fait plaisir, mon petit cadeau. On va essayer de les amener, de toute façon ça descend pas ma jauge. Station de recharge sans fil permettant de rallonger l'autonomie de l'exosquelette, d'accord. Ok, donc ici, là, c'est une zone de recharge. Ok, est-ce que vous avez tous compris jusqu'ici? Je n'ai rien compris, mis à part que j'ai un Snoop Dogg. Alors c'est cool, hein, on croise un nombre de rappeurs assez hallucinant. C'est déjà fait. Quoi? Ah, ça dégage. Je mets des petites patates, eux ils se baladent, c'est un plaisir. Ah, ça dégage. Allez, tu m'as saoulé, je me casse. Yo. Ah d'accord, prise de catch direct, comme ça. T'as pas honte. Ok, on monte. On s'en fout. Putain, les gars, vous êtes. Mais c'est terrible. Dégagez, putain. Ok. Allez. Ils sont fous. Allez, oh putain, toi je t'ai mis. Mais je comprends pas, mec, quand je te mets une patate comme ça. T'es plus censé savoir où t'habites. Quoi? Et voilà, mon pote, ça c'est bon, on éclate en deux. Ok, c'est incroyable. Quoi? Bon, les gars, laissez-moi passer, s'il vous plaît. Hop, je ne fais que passer. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, tous les pommes, c'est fait. Moi, mise à jour, tuez 25 zombies. Les gars, poussez-vous. Poussez-vous, parce que là, ce qui se passe... J'en ai rien à foutre! Oh, c'est beau.
Kylie Jen Hammond. Tom, non! Pour avoir conspiré contre votre seigneur. Regardez-moi! Réquisitionner ce qui lui appartenait de droit et planifier son meurtre. Tu crois être un leader? T'es qu'un taré, en fait. Putain. Je vous condamne à la mort par décapitation, comme l'exigent les lois. Cinglé! Que j'ai édicté! Hey! Par ici! Traître! Empêcher Tom de nuire. Bon, vous allez me payer pour ça, Tom. Quoi? C'est pas gentil. Ça aurait pu se terminer. Allez, je vais là. Je me raconte ta vie, c'est pas ouf jusqu'ici. Voilà. Vas-y, ouais. Ok. Ça, j'en ai déjà une. Il est où? Ok, c'est bon, d'accord, ça a ouvert juste derrière. Ça, c'est intéressant, ça. Yo, frérot. Dégage. Allez, dégage. Allez, dégage. On va peut-être prendre. On va peut-être pas gâcher tout, hein, bien évidemment. Voilà. Des petites balles comme ça, ça fait plaisir, ça régale. Frérot. C'est gagné d'avance. Ok. Ça va pas être. Qu'est-ce qui me jette? Mais je sais. Là, c'est terrible! Monsieur? Ok, ça c'est fait. Quoi? Oh, Jackie Chan, calme-toi! Ce sera pas la peine de me supplier! Mais gros! C'est terrible! Mais mec, lève-toi! Non, là c'est lent! Oh là là! Allez, dégagez! Oh putain, saloperie de merde! Ok, on va prendre le revolver. Je vais lui mettre du 44 Magnum, il va être choqué pendant longtemps, croyez-moi. On a encore un snack, on va le prendre parce que là on est mid-life, c'est un peu chaud, je vous avoue. On va prendre un cocktail Molotov, ça peut être toujours intéressant. Ok, bon. On est full life, on peut continuer les potes. C'est parti, frérot, tu es où? Tu es là, Tom. Tu es là. Et tu regardes pas au bon endroit, je suis là, frérot. Ah d'accord. Donc t'arrives à jeter de l'acide en regardant sur le côté. Ah, il est pas bien. Il est pas bien. Là, je crois qu'il voit flou. Là, il a ses souvenirs à la ferme qui remontent. Il est genre vraiment pas bien. Frérot. Ok. Bah, hey, si t'es si fort que ça, c'est pas grave. Non, je veux bien. Tom. Attendez, Kylie, attendez! Une seconde, je voulais seulement vous protéger. Vous êtes mon peuple, vous êtes sous ma protection. Et c'est ça votre protection? Vous comprenez pas? Un père doit prendre des décisions pour le bien de ses enfants. Vous parfois. Bien joué. Jack. Allez, quoi? Quoi, vous? Hé, hey, tout le monde fait ça! C'est un truc dans le vent! À présent, j'ai plus qu'à tuer un marine zombie mécanique et Willamette pourra retrouver une vie normale. Hein? Quoi? Il y a un zombie avec un exosquelette qui... Oh, c'est tombé. Je dois faire un trou dans les égouts. D'accord. On doit au moins pouvoir vous aider pour ça. Je vais dire à Jordan de vous retrouver là-dessous. Merci, Amon. C'est sympa. Allez, à l'ascenseur. Les amis, on va mettre fin à cette incroyable vidéo. N'oubliez pas les likes, bien évidemment, et le petit commentaire. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos incroyables aventures. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Un grappin. Oh, sérieux?